子，rendez-le-moi。发生什么事了？他说我偷他东西了，可是我根本没有偷。干那哈拉给。Merci. OK. Bien. Bon appétit. Merci. C'est là. J'espère que ce sera bon, hein. Bonsoir. 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 Une table pour 3 personnes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Voici la carte. Merci. Alors, on va vous prendre du riz sauté. Ok. Champignons aux légumes pour moi. D'accord. Et aussi du tofu croustillant, s'il vous plaît. D'accord. Et une bouteille de vin rouge. Ok. Patientez. Merci. J'espère qu'on va bien manger. Regardez. Waouh ! C'est ce que j'ai acheté pour maman. C'est un collier de diamants ? Oui. Putain. Mais c'est vraiment trop beau. Putain, mais ça doit coûter super cher. C'est normal, c'est pour l'anniversaire de maman. C'est génial. Là, il est magnifique. C'est vrai que c'est un bon choix. Ah, elle va être contente. Bon appétit. Merci. Peut-être 25? Ouais, pareil. Oui, je pense aussi. Ah oui, je pense aussi. Ah! Vos plats? Ouais. Ah, voilà. Ouais. Merci. Bah, ça a l'air pas mal. Tu veux essayer? Mm-hmm. Alors, c'est bon? C'est bon? Non, c'est Madame, froid. Votre sac. Ah, merci. Non. Xia Chen? 老板，四号桌的糖醋肉片好了吗？哎，马上就好，快点。王格丽，je suis sûr que c'est vous, il n'y a personne d'autre ici. Voleuse, rendez-le-moi. 发生什么事了？他说我偷他东西了，可是我根本没有偷。Calmez-vous, mademoiselle. Qu'est-ce que vous avez perdu? Un collier pour notre mère.C'est un collier pour l'anniversaire de notre mère demain soir. Et il n'est plus là. C'est elle qui l'a volé. Ils m'ont dit que tu as volé le diamant de chaînelien. Diamant de chaînelien? Je n'ai même pas vu de diamant de chaînelien. Je l'avais mis dans mon sac. Vous étiez la seule personne à l'avoir touché. Personne d'autre ne peut l'avoir fait. Calmez-vous. J'ai payé super cher pour ça. Je vous jure que c'est très grave. Ne cherchez pas d'excuses, d'accord? S'il vous plaît, calmez-vous. Bobo, c'est comment ça?就是他的包掉在地上，我帮他捡起来而已，大家都看到了呀。Alors il est où, dites-moi? Allô, police? Oui. Non, non, non. N'appelez pas la police. Oui, au restaurant chinois. Pas la police, s'il vous plaît. 他报警了。是啊。Oui, d'accord. 气人，这简直就是无妄之灾嘛。那女的就仗着她有两个哥给她撑腰，对我破口大骂。我跟你说，我第一次觉得听不懂法语真好。后来呢？后来外警察来了呗，还来了个女警察要搜我身。搜你的身？嗯，这有点太过分了吧？你说我招谁惹谁了？我自己的包也丢了，到现在还没找回来，现在还被别人误会是个小偷。钻石项链那得多贵呀，他要让我赔，我根本赔不起。开玩笑。又不是你拿的，你干嘛要赔啊？哥，哥，不是，你进来之前能不能跟我先打招呼？表哥，你最好对我好一点，我过来是有件大事的。什么事儿？就是前两天方小鱼来找莫凡，然后问他莫菲姐在法国的电话。我顺便帮你要了一份。表现还不错啊。哎，还有，哥，就是莫菲姐在巴黎被抢劫了，
什么时候的事？就刚到就被抢劫了。我接了。金光，你帮我去工地再盯一下，一定要仔细一点。咱们这个工程不能有偷工减料的地方。行，放心吧。顺哥，外边下这么大雨，今天这工程应该是进行不了了。你早点回上海吧。我先去检查了。是的，不知道是谁，那个时候说我是个大奸商。我怎么可能说出那样的话呢？不可能。只有没有证据啊，我有录音啊。啊，我从来都没有说过唐总的，唐总是我见过最善良、最帅气、最有责任心的老板。我怎么可能诽谤你呢？是不是？你说的是认真的吗？非常认真。OK。你骗我，你怎么能这样呢？你好，这是莫非电话，但是他现在洗漱，您过会儿打过来吧。好啊，谢谢。挂了。谁呀？不知道，中国人吧，我让他一会儿打过来。啊？那是谁呀？我打过去问问呗。嗯？喂，你好。是我。机场那个男的，他打来干嘛呀？表白吗？你好。我听我表妹说你被抢劫了，有没有受伤啊？那都是刚来时候的事儿了，现在早就好了。谢谢他们关心啊。那就好。我最近过得还好吗？就那样，每天上课、打工，生活过得还挺充实的。那挺好的呀。那唐总。如果没什么事儿的话，我就管。我现在在我们经常来的园林里，这边下着小雨。在干嘛呀？刚洗完漱，准备出门了。哦，差点忘了时差的问题，那我就先不打扰你了。拜拜。拜拜。